La morue dans les temps, je répète. Bonjour, bonjour, la morue dans les temps. Je répète, là, on part sur du 4v4, on s'est dit. On s'est dit pour changer, on applique l'opération Espadon. On a le même gars que la dernière fois, c'est un bon là, Zillion. Ah mais non, il s'est mis team 2. Remets le team 1. Oh, Remets le oui, team 1, on remonte le au veut team avec 1. nous. Discretos, discretos, on le remet au team 1. 1, 2, 3, 4. Vas-y, vas-y, vas-y. Ready, ready. Alors. Ouais! Bon, Zillion, c'est un mec qui regarde, je pense, les vidéos de Raiden, qui donne des très bons cours d'ailleurs, n'hésitez pas. Et qui a appris du coup de tout ce que t'as fait, parce que toi, tu théorie craft à Oui. mort. Ah oui, sur le coup, ouais. Mais ce qui est compliqué en fait vraiment sur les mises à jour, c'est vraiment de se réhabituer, genre vraiment à rejouer au jeu, retravailler les rushs, genre vraiment, histoire qu'ils soient les plus rapides possibles, les plus efficaces, enfin, vraiment tout ça, ça se joue vraiment, c'est assez important Bon, attends, vas-y, j'ai quand envie on est sous. de re-re-re-m'entraîner au rush. De toute façon, on va faire plus. T'es sûr? Parce que là, la partie elle va finir vite, hein, Ouais, mais c'est si on pas joue grave, on en tous refera derrière. correctement. Ouais, c'est vrai que tu me diras, on va Oui. dégoûter. Oui, mais là ce que je propose en fait c'est de faire un rush shotgun, mais genre vraiment un rush shotgun. Si tout le monde s'y met, comme je t'avais dit, ils tiennent pas la route. Si 4 personnes se mettent à rusher au shotgun contre un seul mec, le gars il tient pas à 2 tirs quoi. Il peut rien faire. Shotgun Bah guy. ouais, Ok. faut coordonner Donc l'équipe. flak et ensuite shotgun, c'est ça? Exactement. Ok, allez, on va faire le rush shotgun, on va suivre le pro player. Zillion doit me comprendre à 100%, le mec il suit mes streams et comme sur le coup là, ça m'arrive souvent qu'un Vania 4v4 de faire un rush shotgun et les mecs ils comprennent pas quoi. Ils sont juste mais genre retournés. Sauf la dernière personne qui prend l'initiative d'incliner son blindage mais c'est trop tard à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai que si tu inclines pas ton. Et donc en gros, tu sors rien tant que t'as pas le shotgun, c'est ça? Ouais, tu sors absolument rien, personne ne tire, faut vraiment faire en sorte à ce que personne ne tire avant que tout le monde ait shotgun. Et Ok. là il est dans le caca Zillion. Le problème c'est que ça c'est le type de rush que je faisais en tout début du jeu, genre quand personne ne savait qu'on pouvait revendre le blindage, mais maintenant c'est trop tard quoi. Genre là revendre le blindage comme ça, voilà, si on regarde le mec tout en bas, c'est très mauvaise idée de faire ça parce que justement sa base elle tient pas quoi, c'est vraiment rien du tout quoi. On en fait deux du coup. C'est-à-dire, Du de shotgun. shotgun, essaye d'en faire, essaye, enfin essaye d'en faire 3 si tu peux quoi. Je peux toujours, hein. C'est une question de volonté. Oui, exactement. J'ai peur que ça. Ah, mais non, l'autre il tire déjà. J'ai peur que ça se passe Oui, mal mais t'inquiète ici, mais pas, c'est pas grave. on a tous des flaques, t'inquiète pas, on a tous des flaques pour protéger. Hop. Hop. Par contre, Zillion, il est super chaud. Enfin, il est chaud, attends. Attends, Zillion. Ah mais ça coûte tellement rien les améliorations. 100, Ouais. 400. Ah ouais, Non, tu en fait, ce qui coûte cher, c'est vraiment l'atelier, en fait. Le temps que ça fait. Ah, lui, il est dans le caca. Dis quand tu tires. Voilà, parfait. Bien joué, Zillion. Des bons réflexes. J'essaie de remonter le moral de mes teammates, même s'ils m'entendent pas. Hop. Bah écoute, ça y est, moi j'ai tout amélioré. On y va ou quoi? Oh ouais, alors attends, moi j'en mets juste mes portes, moi, toutes mes portes prêtes. Xylon soit prêt à tirer, lui. Voilà. Ah! Ah, ça va, il m'a juste Ah, désactivé. ouais, c'est pas très dangereux ça. Et voilà. Quand vous voulez. Bah Quand attends, vous parce que là, du voulez. coup, j'en ai deux qui ont freeze en Mec en changement. bas d'abord. Vas-y, go. Et voilà, il est mort. Il va tomber. Il va tomber dans Putain, peu de merde! temps là. D'ici très peu de temps, il va mourir. Ah c'est trop marrant. Et là, il est toujours en train de tirer au petit truc de merde. Oh Et putain de voilà. merde. Et encore on est que 3 à le faire. Ah. Merde, ils ont activé Firebird. Fais attention, ils ont activé Firebird. L'oiseau de feu. Bah en fait ma base est en train de brûler en fait. Elle est en train de brûler mais comme pas possible quoi. Il faut que je Pareil, répare. pareil. Faut Je qu'on peux pense pas à faire réparer mieux. d'abord. Et après on va se mettre à tirer. Non, j'ai un canon qui a brûlé. Ah. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là maintenant il n'y a plus le temps. Là on est en rush mode. Le mec d'en bas, enfin le deuxième mec a commencé à poser des blindages inclinés. Donc je t'invite toi et Pierre,
à remplacer tes armes que tu es en train de faire en roquette, voilà. Histoire de l'immobiliser. On va tirer là-haut, là. Ah. Ah, mais lui, on lui fait rien, parce qu'il a des... Broum. 3. Ouais. Là-haut, par contre, ça tourne. Ah non, c'est le mec tout en haut qu'il faut viser. 4. Faut viser le 4. Le mec tout en haut. c'est tellement plus dynamique par rapport à avant. Oh ah, c'est un rein de flancher. Un rein de flancher. Elle va mourir. Est-ce qu'il va mourir? C'est un rein de creuser. Ouais. Et il meurt. Ouais. Il a incliné son blindage. Faut qu'on joue les missiles maintenant. Ouais, les missiles sont en train d'être améliorés chez moi. Pour compenser. Parfait. Ouh. Il nous faudra encore un peu plus de tac là avec les missiles et puis ça sera assez. Je pense. Hop. Tu fais un sale bruit, hein. Voilà. Mais c'est horrible de se faire toucher le shotgun. Là, pour l'instant, faut vraiment que tu l'abîmes, ouais. Ouais, bah je continue, je fais que lui tirer dessus. Je compte sur toi. On compte tous sur toi, Pierre. Je tire un peu trop. Ouais, ouais. Hop. On a bientôt la marmotte. Ouais. Voilà, parfait, ça commence à creuser là, derrière. Ça commence à faire des dégâts à l'intérieur de la base. Allez. Bah, je fais que ça, hein. Parfait, ça passe. Oh, la marmotte, il a commencé à flancher. C'est bon. Allez, on tire. Attends, on attend que les missiles passent. On tire. Ok, on tire le mec au-dessus maintenant. Allez, on attend que les missiles passent, comme d'hab. Et que ça touche, bam, on tire. Ah. C'est énorme. Oh, putain, regarde les missiles là. Oh, c'était sale, les mecs, c'était sale. Ah putain. Ah c'était pas mal comme technique, j'ai bien aimé. Ah y'en a un qui arrache kit. Ah oui. Non mais celui qui est mort au début je pense. Oui je pense, il a dû un peu s'ennuyer. Et c'est plus sympa en 4v4 qu'en 2v2 en vrai. Ouais. Franchement, putain Zillion il va aller team 2, mais non reste avec nous. Reste. Oh Sochi. Tiens. Ah Sochi. Ah oh, Sochi, ça faisait longtemps. Hop. Desert Eagle. La bonne team du TK. Du TK. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Salactite 4v4, oh, je pense que ça va chier. Ça va être l'enfer. Par contre, on va laisser Zillion faire son rush assez rapide. Et nous, on va sortir les lasers et les grosses armes, d'accord? Dépendra de la position où on est, surtout. Ouais, moi j'aime bien les missiles. Je crois que je vais faire full missile. Je m'amuse plus avec les missiles qu'avec les shotguns. Les shotguns, je comprends l'utilité parce que tu fais pas des blindages en biais. Mais ouais. La stratégie et Sochi qui répond gagner. Oh putain, ça faisait longtemps du fort, ça fait du bien quand même. Oui. Même pas s'invite le Tardos, il me dit Sochi. On reprenait tranquillement ce soir avec Raiden. On attendait 3 épisodes, c'est le 3ème. Raiden, putain. Raiden, c'est un autre, à chaque fois je confonds déjà. Alors, hop. Moi, ce que je vais faire un petit rush laser, je pense, tranquille, sans pression. Comme ça, je vous couvre votre late game, tu vois. Il y aura pas de soucis. Si ça se complique, c'est moi qui vais m'occuper du reste, et puis voilà. En espérant que vous ne tuez pas tout le monde dès le début, hein, histoire de me laisser un petit peu. Impeccable, c'est en train de charger, Sochi va cracher comme d'habitude. On connaît les bons bails. Alors, où est-ce que je suis moi? Oh, je suis là-haut. Parfait. Hop.
toujours ce problème d'être un peu lent au démarrage. Moi. Une petite astuce. Tu vas les raccourcir les touches W, X et C qui te correspondent aux matériaux, technologies et matériaux, machines et armes. Ouais, c'est trop fort ça. D'où l'intérêt que dès le début, t'appuies sur la touche X pour commencer genre à sélectionner la mine. Dès le début, tu sélectionnes la mine, tu cliques dessus et instant tu poses ta mine. Et instant tu peux la poser. Exactement. Putain, j'aime bien cette. Et les premières secondes de jeu sont les plus importantes. D'ailleurs, j'ai fait signaler aux développeurs qu'on peut pas sélectionner l'onglet technologie pour l'instant. Ouais, c'est ce que j'ai en train de me dire. J'ai C, ouais, W, X, c'est... mais... Ouais, puisqu'ils l'ont rajouté. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors. Bon, je vais faire mon rush tranquille, hein, écoute. Je vais passer tranquillement. Attends, l'atelier d'amélioration, il coûte tellement cher. Ouais, mais en fait, surtout très cher en métal plutôt qu'en énergie. Ouais. Il coûte 3000 énergie, donc c'est correct. Mais 600 de métal, c'est pas mal, quoi. C'est non négligeable. Bon, j'attends tranquillement, hein, dans 100, je go old school avec double missile. Oh, bah, c'est pas old school, c'est totalement nouveau, ça. Faut me dire que ça, c'est... C'est déjà un an, quand même. Moi, je go rush comme un connard. J'ai peur de le mettre trop près, parce que ça recule et ça explose après. J'ai été victime. Ah oui, oui, oui. En fait, tu te mets au plus proche derrière. Oh non, mais il est sérieux? Non. Quoi? Non. Le mec, il vient de poser deux missiles comme ça devant moi. Genre, ça peut avoir ses chances de me toucher, tu vois. Regarde au-dessus de moi, là. Il est sérieux quand même. Mais non, ça va pas se faire. Non. Parfois, ça peut tomber là, sur la base, en dessous. C'est Zillion, là. Ah oui, ok. D'où le rush old school dont il m'avait parlé. Ok. Je viens de comprendre. Bon, si je meurs assez jeune, c'est un peu normal. Je pense. T'en voudras pas. Ah. J'avais pas dû. Ça tire déjà. Ouf, ça me passe au-dessus. Je vais pas tirer, j'ai trop peur. Le target, j'attends d'avoir tout plein de mitrailleuses. Je vais one-shotter un mec. Ah oui, bah oui, il faut vraiment l'effet de surprise, c'est très important, hein, sur le jeu. Ouais, bah je l'ai vu tout à l'heure quand tu voulais pas dévoiler le secret du mec là. Exactement, je voulais. C'est ça. Et pourtant, ça. Ouais, bah. En fait, c'est ça le but en fait, hein. Vraiment. Mais sauf que là, tout le monde a un peu des mitrailleuses en fait, je crois, par défaut. Non, personne n'a des mitrailleuses justement. Personne n'en a. Oh, mais il abuse là. Je sais pas à quelle hauteur ça va tomber en fait, son nuque. J'ai trop peur. Mais non, t'inquiète. Par expérience, je sais que ça a déjà touché des gens. Bon, on va voir. Il a pas intérêt à me toucher. Et en plus, c'est un gros. Oh, est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il passe? Ah oui, nouvelle info de mise à jour. Le nuque maintenant a besoin de deux tirs de. Enfin, deux coups mitrailleuses pour se faire shot. Tomber. Oh, le premier tir de mitrailleuse qui va prendre le nuque, en gros il va être déstabilisé. Ne le touche pas. Très déstabilisé. Et alors attends. Ah, faut viser un peu plus bas. Ah ouais. Oh mon dieu. Ah non, mais ça sert à rien, ils ont trop de missiles, il faudrait un shotgun pour tout éliminer. Parce que là ils ont bourriné. Pose deux shotguns, enfin un ou deux shotguns, tu vois, à la rigueur. Je vais le faire après. C'est vraiment ça qui pourra les arrêter. Ouais, mais parce que là vraiment tu pourras pas avancer en fait tant que tu détruiras pas leur truc. Le mec, il va de plus en plus près de ma base, quoi. C'est son nuque. Mais il fait stresser ce mec, hein. Je suis pas très loin non plus, là, quand même. Réellement, c'est lui qui va me frôler la tête. Genre, je monte un peu plus haut et je me la prends. Hein. Oh non, dommage. Wow. T'as vu ça? Regarde le nuque, comment il fait des zigzags. Il esquive tout. Ah non, presque tout. Ah, ils ont trop de... Il faudrait des... Shotgun justement. Ou alors des... Ah putain, il va m'en péter un, hein, là. Non, c'est vraiment shotgun qui permettent de détruire rapidement et avec beaucoup d'efficacité les défenses ennemies qui sont éparpillées. Genre vraiment, c'est la plus efficace. Alors. Comment je vais faire, moi? Ça coûte trop cher. Ok.
Passons aux choses sérieuses. J'entends que ça pète de partout. Les bruits sont tellement bons. Et voilà, ça dégage. Voilà, je vous avais dit les gars. Je vous avais dit, c'est moi qui vous couvre. C'est bon, t'as avec tes quoi, t'as laser ou... Laser, ouais. Ah, le mec d'en haut, fais gaffe, il a un laser. Ouh, il m'a explosé, mec. J'arrive pas, hein. Ah non. Ah, c'est dur, c'est dur. Au moins, j'ai bien visé, là. Au prochain tir, je le touche et je lui détruis son laser, normalement. Wouah, non. Oh non. Oh non. Non, non, le mec, quoi, il est pas sérieux. Non, 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 en plus, il va tirer une deuxième, hein. Mais il vient de me défoncer trois éoliennes, quoi, me tirant dessus et ma base un peu. Voilà, encore une fois. Mais il est pas sérieux, je suis pas trop gros, je me suis fait découper ma base. Et ça va péter celle d'en dessous. Oh là 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 là, le double kill. Le mec, il vient de me défoncer, mais. Putain, trois éoliennes, ils quoi. Ils ont fait laser, ils ont fait à l'ancienne, là, il fait gros canon. Et le problème, c'est que ils avaient trop de mitraillettes, ça counter pas mal les mitraillettes, hein, sur des grandes distances comme ça en fait. D'où l'intérêt de poser des shotguns. C'est vraiment genre l'utilité première des shotguns, c'est vraiment défoncer les défenses qui sont exposées. Genre les mitraillettes, elle meurt en un coup, en une balle de shotgun. Presque. Allez, allez, allez. j'ai pété son laser. J'ai pété son laser. Oh putain, il sert tellement à rien. Ah. Il a un laser de feu, l'autre en bas. Disons mais le mec d'en haut, je l'ai... Oh wow. Le problème, c'est que trop de mitraillettes. C'est toujours... Ah, un jour ça passe. Ah, non, oui. Ouais, mais ça fait rien fait du comme tout. Dégâts. Ah si, il y a le canon de 12 qu'on voit. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a trop de mitraillettes. Aïe. Ah, il en a deux, l'autre. Ah, mais ça fait pas grand-chose. Ah ouais, t'as tellement de protection que... Ah, tellement, c'est encore un très gros mot pour attention. Moi. Aïe. Construire à chaque fois, genre, je suis en mode. C'est ça, mais non, mais je peux plus rien construire. Wouh. Oh, ça a tout esquivé. Oh. Et bim. Oh putain, les dégâts qu'il lui a mis. Faut qu'on l'arrête. Unstoppable, on l'arrête. Nice. Allez hop. Fais gaffe, t'as le feu chez toi. J'ai vu. C'est un peu galère là. Ah, en plus c'est lui qui m'a mis les dégâts sur ma base. Hein. Il a mis la moitié de ma vie sur ma base, d'ailleurs c'est rien qu'avec ses nuques à la couille là. Ah, il m'a foutu trois coups de nuque sur ma base quoi. Attention. Si ça c'est pas sale. Wow, ça te frotte tellement. Ah, mais ma base elle va se faire détruire. Non mais je te jure, ma base elle va se faire détruire là. Oh putain! C'est tellement random! Encore deux tirs et je meurs! Le coup de laser, mais ça part trop bas! Oh, je vais mourir à cause de mon pote quoi! Beau TK, hein, comme on dit! Hein. Oh là là! Bon team kill là, ça va bien faire plaisir! À l'ancienne! Ah. À l'ancienne! Pire dit de mon les missiles. Mais je lui ai dit quoi? J'ai dit non. Ah ok, c'est bon, on les a supprimés. Mon dieu. C'est bon, je lui découpe ses canons 20 mm, là ça dégage. Plus de canons 20 mm. Oh, j'ai bien voulu te faire rester un peu plus longtemps, mon cher Pierre, là ça. Ah, oh, c'est pas grave, non, mais j'ai mis aucune protection. Oh, j'ai mis aucune protection, j'ai fait le classico sans protection. Mais attends, il met que des mitraillettes, il est sérieux? Je sais pas, c'est l'état d'un mec un peu zinzin. Alors, ouais, et cette map ne lag plus, hein. Allez hop, ça dégage. Wow. Voilà. Non, lui, c'est lui que j'avais essayé de taper un petit peu, j'avais fait quelques dégâts, mais bon, c'est bon, il en reste plus qu'un. Ah. Ouais, mais il a un laser. Pas l'oublier, il a un laser. Ouais, je sais, mais un laser counter un laser aussi, vice versa. T'avances à la communauté, je m'en excuse. Oh mon dieu. Il a fait des putains.
Putain de Gatling. On n'en fait plus les Gatling. Eh, hey, not bad, not bad. C'est bon. En vrai, bon, je peux commencer à jouer. Je vais le faire super chier. Maintenant que je peux remonter un peu de en hauteur là, je vais commencer à construire des trucs là, parce que là, je me faisais chier à rester sur mon laser là, je pouvais rien faire, j'étais bloqué. Je pouvais pas avancer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à construire des missiles là où je suis. Parce que le mec, à mon avis, il aura pas assez de time pour se faire des mitrailleuses quoi. Flac, ou des mitrailleuses. Pilote a trop de mitrailleuses donc c'est bon. Ah, et ta base elle fume bien. Ah bah oui, elle fume bien, elle est orange-rouge, tu vois, entre les deux. Donc oui, elle est un peu... qui continue à tirer comme un par bête, c'est... merde. Ah, il va tirer. Oh, yes. Oh, tu l'as... Yes. En fait, t'as visé pile à l'endroit où il a tiré, quoi. Exactement, mais c'était fait exprès, je voyais la porte qui s'ouvrait. Eh ben, GG. Oh là là. Allez, go faire une dernière revanche. Une dernière revanche, allez. Sur une autre map. Sur une autre map, ouais. Alors dis-moi, Dueling Viper ou tu as sinon Wingman ou Ziggurat? Je sais pas, à ta convenance. J'aurais dit... Allez, Dueling Viper. Parce que celle-là, elle est nouvelle. Vous êtes les frais? Non, on est pourris. Sorti du frigo. Oh mon dieu. Putain, les meilleures blagues. Ouais, c'est le vrai Josh qui représente. Allez hop, le petit spam. On connaît bien. Et voilà. Mais il aura la preuve. Alors, en vidéo, on est les vrais. On est les vrais. Alors, ce qu'on va faire ici, puisque la map elle est plutôt réduite à un face-à-face là, moi je vais jouer shotgun, toi et Pierre je pense que tu joueras missile, c'est ça? Ouais, missile. Ouais. Je sais pas où mettre mes missiles, ça a l'air bien. Ouais, face-à-face, puis moi je joue shotgun. Hop. Bim. Faire une. Ah, ça rend de... Ah non, ça va. J'ai cru que ça commençait à débattre dans le chat là, en pleine game. Mais non, ça va. Hop. On va faire la télé d'amélioration. Merde, dans le doute, tu sais comment améliorer. Enfin, tu sais comment ouvrir le chat dans le jeu? Ou t'en as aucune idée? C'est la touche 2, non? Ouais, la petite 2, ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est la console quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils sont plutôt partis sur du light, hein. Ils ont vraiment construit beaucoup de mines, beaucoup de ressources et à mon avis, peu d'anticipation à un rush. On va les enfumer. Alors, j'ai fait la grossière erreur de ne pas avoir posé d'éoliennes au début. J'ai totalement oublié, je sais pas comment j'ai fait. Mais là, j'ai pas posé d'éoliennes et je suis un peu dans le caca. Hop. 1, 2, et une troisième là. J'espère qu'on gèlera pas ma base. Ah, elle ressemble à quoi ta base toi? Dis-moi où t'es. Alors, tu es tout en bas, c'est ça j'imagine? Ouais, ça doit être ça. Non, pas du tout. Je suis tout en haut, mec. Ah, t'es tout en haut. Ah, t'es juste au-dessus de moi. Ah, pas mal. C'est bien ça. Comme ça, on pourra faire des. Ça va. Allez, 200 de minerai. Essaye de balancer. Non, essaye de balancer. Ouais, voilà, l'amélioration directe dès le début. Oh, la porte XXL. Oh, ça coûte tellement cher. Ah non, je peux faire une porte XXL. Oh, tac. Ah, pas assez de minerai, il mine pas vie assez vite là. C'est bon. Ouais,
Voilà, et puis après, dès qu'il y aura, dès qu'ils commencent à avoir de la concurrence là en face avec leur mitrailleuse, on balancera les chaudionnes. Ah, ça tire déjà le shotgun d'ailleurs, j'entends. Ouais, ça tire le shotgun déjà. Et moi, je vais la jouer sécure. Ouais, c'était pas volontaire là... ce tir. Ah ouais. Ah, t'as fait un clic droit. Va falloir shotgun quand même, les mecs. Ouais. Je vais rechecker vite fait les positions des tirs qui vont passer. Eh oui, vas-y. Vas-y, t'es prêt? Je suis prêt. Voilà. C'est bon, j'ai pété un côté. Et alors celui d'en haut, je vais lui tirer dessus. Voilà, je vais péter aussi, j'aurais pété tout leur truc. C'était chaud. Ah. Ça fait un petit coup de flaque là. Ah merde, j'ai plus d'énergie. Hop. Dur. On dégage. T'as oublié l'éolienne. Ah non, c'est monté, tes amis. Mais mets-les au-dessus au niveau des mines. Tout en haut. Ouais, en fait, il y en a qui ont une give up. Une troisième. Alors, hop. Voilà. Je crois qu'ils ont baissé la vitesse des missiles légèrement. Genre leur accélération. Je suis pas sûr. Alors tu peux tirer un par un tes missiles en faisant un clic droit dessus d'ailleurs. Genre avec ton groupe. Ah ça les tire pas. Ah d'accord. Ça les tire tout seul. En une... Voilà. Putain je les tire d'affilée là. Bah, c'est d'énergie. Et comme ça fait des rafales, c'est excellent, regarde. Ouais, mais vraiment, moi je peux pas tirer entre temps, tu vois, parce que j'ai pas envie de casser un peu de tes missiles. Ah. Wow. Je m'occupe de ça, je m'occupe de ça tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai pété son laser. Wouh. Moi il m'a mis chaud. Bon, je l'ai pété. Ouais, mais ça va. T'aurais pu te faire one shot, hein, si tu dis. Ouais. Clair. Ah, le mec d'ailleurs, en haut, je vais le défoncer, je vais one shot là. J'arrive à viser. Je n'arrive pas à viser, ok. Mais d'en haut, je te laisse le finir, si tu finis pas, je le finis. Ok, tu le finis pas. Hop, ça dégage. Il y a 3 bots qui explosent en même temps. Ah, il y a 3 mecs qui ont pété en même temps, MDR. Hop, et voilà. Le 4ème. Et bah voilà. Il y en a qui sont pas contents. On les a détruits. Bon, bah les mecs, sur ce... C'était une belle dernière game. On se dit rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas si vous voulez. Parce que là, on finit cette session de record. Si vous voulez qu'on teste d'autres stratégies. Mais. Là, on a quand même bien vu en 3 épisodes de, le passage d'apprentissage à. On maîtrise un peu plus, quoi. Merci pour tes conseils, monsieur. Y'a pas de soucis, écoute. Et puis, on se dit rendez-vous à la prochaine. Ciao. Un plaisir, oui. Bisous. Hop.